le rapport numéro 16. Donc, ce rapport concerne le schéma des zones d'activité économique de Grand Besançon Métropole. C'est un rapport qui, évidemment, comme je l'ai dit même dans l'introduction, il est essentiel de l'aborder à l'intérieur même de tous nos schémas. Et c'est un des éléments de l'ensemble de l'aménagement de nos territoires qui est traité ici et qui, évidemment, doit répondre à tous les enjeux. Les enjeux, comme je le disais encore, bien sûr, des enjeux économiques, bien sûr, des enjeux qui sont sociaux avec la création d'emplois, mais aussi la qualité de vie des salariés, des enjeux aussi qui concernent finalement l'innovation, des enjeux qui concernent aussi le climat, la question de la consommation foncière. Donc, le schéma qui est proposé, il doit présenter finalement un certain nombre d'éléments de réponse à toutes ces questions. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, là non plus, envisager qu'il y ait des réponses simples à des questions aussi importantes que celle d'envisager un schéma de zone d'activité économique. Je donne la parole, du coup, il y aura une présentation à deux voix, celle de Catherine Barthelet et ensuite de Nicolas Baudin. Merci, Madame la Présidente. Merci pour ces propos introductifs et c'est vrai qu'ils montrent bien effectivement la situation complexe dans laquelle on était au moment de prendre toutes ces décisions, dans laquelle tout ça s'inscrit. Je souhaiterais donc tout d'abord rappeler la concertation donc, que nous avons eue sur ce dossier. Nous avons eu à cette reprise un COPIL qui était composé donc, des élus ayant la délégation à l'économie, à l'aménagement du territoire et au développement durable. Les propositions ont été faites par deux reprises, en fait en bureau débat, puis elles ont été présentées en conférence des maires, bien sûr en commission donc économie et aménagement du territoire, et puis validées en bureau décisionnel. Un travail important, et je tiens à le saluer, a été conduit par nos services afin de nous permettre, nous élus, d'arbitrer donc toutes ces décisions. Nous ne pouvons bien sûr ce soir vous présenter tout l'ensemble de ces études, mais c'est bien grâce à ce travail collectif que nous avons pu définir nos priorités. Je souhaite aussi rappeler qu'il y a une forme d'urgence à délibérer puisque nous faisons face à une raréfaction de l'offre disponible et qu'il est donc important de déterminer ensemble nos priorités pour que nos services puissent mener à bien les études préopérationnelles, poursuivre le travail qui est déjà engagé, parfois depuis de longues dates, vous le savez. Sachez bien aussi que les études déjà engagées sur certaines zones d'activité ensuite du schéma des priorisations qui a été validé en 2019, elles n'ont pas été interrompues. Seules les études archéologiques, car elles étaient très invasives, ont été reportées sur les terrains de Saint-Vite, et cela d'ailleurs en accord avec le maire. En effet, donc en plus de ce copil qui a travaillé et préparé à ces décisions, nous avons eu aussi trois copiles opérationnels qui se sont réunis pour poursuivre le travail engagé précédemment pour les terrains, donc sur les fonciers de Pelouzet, Pouillet-les-Vignes, Marchaux-Chaudes-Fontaines et Champchevaux à Saint-Vite. Pour définir nos priorités, on l'a fait donc parmi le foncier qui est déjà bien inscrit dans nos documents d'urbanisme pour la très grande majorité. Nous nous sommes donc appuyés sur les chiffres de la consommation passée en y appliquant bien sûr les nouvelles obligations réglementaires liées à la loi climat et résilience. Et bien sûr avec les incertitudes que cela contient encore actuellement puisque donc les premiers textes d'application viennent de sortir et nous attendons encore des arrêtés qui viendront préciser par exemple le référentiel de la consommation foncière sur lequel on devra s'appuyer. Depuis 20 ans, en tout cas, nous consommons en moyenne 10 hectares de foncier par an pour ce qui est le foncier à vocation économique. Ce qui donnerait à horizon 2050, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire, mais si on avait ce calcul théorique, une éventuelle consommation de 300 hectares, sachant bien sûr que la loi climat et résilience prévoit un potentiel bien différent qui pourrait atteindre 87,5 hectares si l'on applique le calcul théorique de la division par deux par décennies successives. Mais il faut bien avoir en tête que ce chiffre, comme je l'ai dit, demeure théorique, puisque nous sommes dans l'attente des précisions des textes, mais aussi dans l'attente des indications liées au Sraddet, qui tiendra compte, donc le Sraddet, hein, vous savez, qui sera approuvé à nouveau donc, au plus tard en février 2024,
qui tiendra compte des propositions des conférences des SCOT et qui, lui, donc, territorialisera les objectifs d'atteinte de réduction. Il est possible donc que ce ne soit peut-être pas les 50% qu'on doive porter, mais peut-être 60% ou 40% que nous devions appliquer, ou encore qu'une partie de nos aménagements soit reconnue d'envergure régionale et soit déduite de l'objectif total qui soit attribué à la communauté urbaine. Nicolas le redira, puisque c'est lui qui présentera les fonciers retenus. Nous avons donc pris le parti de faire une proposition un petit peu plus ambitieuse, compte tenu de toutes ces incertitudes et afin aussi de pouvoir répondre aux propositions et à nos ambitions. C'est ce que nous avons validé ensemble dans notre projet de territoire. Nous avons des souhaits affirmés d'attractivité qu'il est bon de retrouver donc, dans les décisions que nous prenons ce soir. Nous avons une volonté aussi de nous inscrire dans un potentiel possible de réindustrialisation de notre territoire. Il faut qu'on puisse avoir une carte et y jouer. Nous avons bien en tête aussi la concurrence territoriale en la matière. Vous savez qu'elle est conséquente et qu'elle pourrait aussi produire des effets contre-productifs. En plus d'une perte d'emploi sur notre territoire, une perte de fiscalité, une perte de rayonnement, on pourrait aussi imaginer que le foncier qu'on laisserait se développer juste à côté de nos portes engendrerait des mobilités encore accrues, complémentaires, peut-être sans transport et très certainement sans transport en commun. Et puis peut-être aussi avec une volonté moins affirmée que la nôtre de construire avec une volonté d'être encore plus vertueux que nous l'avons été jusqu'à présent. Donc les échanges qui vont intervenir prochainement dans le cadre de la révision du SCOT, au regard de l'application du nouveau SRADET, comme je le disais, de l'application des nouvelles lois climat et résilience, des nouveaux textes de cette loi, et enfin des échanges dans le cadre de l'élaboration du PLUI, nous permettront donc d'ajuster cette proposition à l'avenir si nécessaire. Et on tiendra compte aussi bien sûr de tout le résultat des études que nous allons devoir conduire. Cette proposition, elle prévoit donc d'accueillir des activités économiques sur des fonciers nouveaux, mais elle engage également la communauté urbaine dans sa volonté de construire mieux, de manière plus vertueuse, et cela dès à présent, en y incitant et accompagnant les entreprises dans la mesure du possible. Des rencontres sont d'ailleurs prévues dans ce cadre avec les porteurs de projets, par mes collègues dont Nicolas Baudin et Marcel Felt, qui le font déjà avec tous ces porteurs de projets. Et l'idée est de proposer, par exemple, la construction en étage, la limitation, bien sûr, autant que possible à l'imperméabilisation des surfaces autour des bâtiments nouveaux, une meilleure gestion des eaux pluviales à la parcelle, des bâtiments effectivement mieux isolés, ce qui n'était pas peut-être la préoccupation première jusque-là pour ce genre de bâtiments. Sachez aussi que des études sont d'ores et déjà engagées pour essayer de densifier les zones qui pourraient encore l'être, et de requalifier aussi les zones, cette fois en les rendant plus agréables à vivre pour celles et ceux qui y travaillent, avec la création, par exemple, d'îlots de fraîcheur partagés ou la création de modes doux pour pouvoir se rendre au travail. C'est aussi quelque chose qui est demandé. Enfin, nous avons bien entendu ensemble les remarques issues particulièrement de la conférence des maires qui ont majoritairement porté sur le souhait de rechercher un équilibrage territorial pour l'accueil des artisans. C'est vrai que là, on pense plus à des plus petits fonciers, des plus petites entreprises. Il faut, on est tous d'accord à notre avis, poursuivre cette réflexion pour s'assurer qu'au moment d'élaboration du zonage du PLUI, nous puissions assurer cet équilibrage territorial en proposant peut-être aussi des nouvelles opérations, comme on l'a souvent évoqué ensemble, par exemple les villages d'artisans qui permettent de consommer moins de foncier et offrent une nouvelle alternative aux artisans pour s'installer. Voilà, donc je ne vais pas être plus longue, mais on sera bien sûr à disposition s'il y a des questions. Et puis, je vais donc laisser Nicolas poursuivre. Il va pouvoir vous présenter les fonciers retenus dans nos priorités. Puis, bien sûr, Marcel Fell pourra compléter s'il le souhaite. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à tous. Sujet effectivement important. Je crois que Catherine a quasiment tout dit. Je vais quand même ajouter quelques petits éléments de contexte. D'une part, le contexte très particulier. On est dans une gestion post-Covid. Et c'est vrai que le milieu économique a été particulièrement touché par cette pandémie. Et j'ai l'impression que ça a permis aux chefs d'entreprise de réfléchir globalement au développement de leur entreprise et la manière dont ils se situent par rapport à l'avenir. Et ils ont pu mesurer à quel point leur production était parfois extrêmement vulnérable et que parfois il suffisait
qu'il manque simplement une pièce qui soit produite à l'autre bout du monde et l'ensemble de la production s'arrêter. Et je crois qu'ils ont pu mesurer à quel point c'était finalement extrêmement vulnérable. Et donc, il y a beaucoup de besoins à l'heure actuelle d'extension, et c'est un mouvement plutôt assez violent, de production ou de nouveaux mètres carrés d'extension d'entreprises sur le secteur de GBM. GBM qui demeure un secteur plutôt très attractif, notamment vis-à-vis des territoires limitrophes, ce qui doit également nous interroger. L'autre point, c'est aussi le contexte assez particulier d'augmentation du coût de l'énergie et d'augmentation des matières premières. Donc là aussi, c'est quelque chose qui doit nous interroger en termes de développement économique. Et là aussi, on voit la vulnérabilité par rapport à des conflits qui peuvent avoir lieu aux portes de l'Europe. Un autre point, et là, au moins sur ce point-là, je pense que tous les candidats à la présidentielle étaient d'accord, c'est celui de la nécessaire industrialisation de notre pays. Et c'est vrai que par rapport à ce que je disais précédemment sur le fait qu'il y ait des volontés extrêmement fortes d'extension des entreprises, alors je ne sais pas si la matérialisation de décisions qui auraient pu être prises il y a un an ou deux, mais je constate qu'il y a un très très fort besoin de développement. Des contraintes environnementales fortes et de plus en plus fortes, et donc on doit absolument les intégrer. C'est vrai que la production des usines du futur ne sera pas la même que celle qu'on a connue jusqu'à présent. Donc ça passera à la fois par des panneaux photovoltaïques, à la fois par la gestion des eaux pluviales, à la fois peut-être même par la notion même de propriété. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne doit pas déconnecter l'aspect propriété du foncier et voir la location de bâtiments industriels. Et donc c'est une logique qui est quand même extrêmement nouvelle par rapport à ce qu'on a connu au cours des décennies précédentes. Le territoire byzantin a une caractéristique qui est partagée quand même par d'autres territoires de notre région, c'est qu'il n'y a pas de friche industrielle. C'est vrai qu'on parle souvent, potentiellement, le fait de réformer ou de réhabiliter des friches sur le territoire du Grand Besançon, il y a extrêmement peu de friches. Et donc, ça veut dire que, très souvent, on est dans le domaine de l'extension. Sur la consommation des surfaces, Catherine l'a dit, c'est à peu près 10 hectares par an pour le domaine économique, et ça représente globalement 30% des terres supplémentaires artificialisées pour tout ce qui est domaine économie-artisanat, les 70 autres pourcents étant plutôt dédiés au logement. Sur les critères donc, que nous avons souhaité prendre en compte dans les différentes zones, donc on a à la fois étudié la qualité des terres agricoles, la topographie, et c'est vrai qu'on a une topographie qui est quand même extrêmement accidentée sur GBM, et ça veut dire que les coûts d'aménagement sont nettement plus importants que dans d'autres secteurs qui sont totalement plats. Donc c'est notre histoire, c'est aussi notre géographie, on doit faire avec. On a pris en compte également la desserte en transport en commun et les accès autoroutiers, la proximité de logements, voire de production future de logements, et puis également un certain équilibre géographique au niveau de l'ensemble du territoire de GBM. Un point aussi quand même, je disais en dernier conseil d'agglomération, le candidat d'alors, qui était Emmanuel Macron, proposait des baisses de dotation à hauteur de 10 milliards d'euros sur le quinquennat. 10 milliards d'euros sur le quinquennat, ça représente à peu près, toutes choses étant égales par ailleurs, une baisse de 8% des dotations aux collectivités tous les ans pendant 5 ans. Et donc, ça veut dire que ça va avoir un impact, à mon avis certain, sur notre manière de fonctionner. On doit dès à présent s'en préoccuper. Ça veut dire qu'on va, en résumé, aménager les zones qui seront le plus facilement aménageables à un coût et à un prix de revient qui sera le plus faible possible. Donc c'est également quelque chose qui est intervenu dans notre raisonnement. On a donc souhaité effectivement avoir une vision d'agglomération en se référant également à des documents comme le SCOT, qui est un document prescriptif qui est en cours de révision. Le NOT date de 2011 et il avait déjà tracé une armature territoriale qu'on a souhaité respecter. Un point quand même de vigilance, la tension actuelle qu'il y a au niveau économique sur le facteur du recrutement. C'est le point majeur dont nous parlent actuellement les chefs d'entreprise, un taux de chômage de 5,5%. C'est extrêmement faible. Et donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement, dans le domaine industriel, sur le secteur de Besançon, plusieurs centaines d'emplois vacants. Et donc, ça veut dire que c'est une question qu'on doit également se poser. Je pense que l'une des solutions pourrait être la robotisation. Et c'est vrai que la France est plutôt très en retard par rapport à ce qui se passe à l'Allemagne. Pour autant, ce problème risque d'être durable. Et il n'est pas propre à la Bourgogne-Franche-Comté. Quasiment toutes les régions françaises sont confrontées à ce problème-là. Alors, sur cette diapositive-là, que je découvre,
mais globalement sur laquelle je suis d'accord, puisqu'elle correspond globalement à ce qui vous a été présenté dans différentes réunions, puisque je rappelle quand même que ce débat-là est passé une fois en bureau débat, deux fois en bureau d'agglomération, deux fois en commission, dans la commission de Catherine et dans la mienne. Voilà, donc vous voyez apparaître en priorité numéro 1 des zones d'activité économique à aménager à court ou moyen terme. Alors, il y a d'une part la zone de Marchaux-Chaudes-Fontaines, 37 hectares. Oui, 37 hectares. Donc, il y a une zone de 30 hectares et une zone de 7 hectares. La zone de 7 hectares, c'est une zone qui est en terre agricole, c'est la seule. En même temps, c'est la seule. Potentiellement, c'est la seule qui est d'une taille suffisamment importante pour accueillir un projet économique de grande envergure. Donc, il est tout à fait possible que cette zone-là ne soit jamais utilisée, mais on a souhaité quand même la réserver potentiellement si un jour un grand projet devait émerger. La deuxième, nous passons à Pelouzet sur la zone du Champusy, qui est une zone de 3,7 hectares. La troisième, qui est la première extension de la zone du Chenoblon dans la commune de Saône, avec une volonté de repositionnement principalement sur les thématiques artisanat et industrie. Ensuite, il y a la zone des portes de Vesoul sur la ville de Besançon. C'est la zone qui se situe entre la rue de Vesoul et dans le prolongement de Thémis Microtechnique. Ensuite, la zone de Champchevaux à Saint-Vite. Et puis, la zone que vous aviez validée lors du dernier conseil, c'est la zone d'activité de Gênes de 0,6 hectares. Ensuite, nous avons en priorité 2 des zones à étudier, pour lesquelles c'est des études préopérationnelles qui vont être lancées. La zone de Besançon-Franois, donc là, c'est dans le prolongement de la technopôle Thémis Santé, mais de l'autre côté de la rue de Franois. La zone des Andiers sur la commune de Tise. La zone de Pouilly-Pelouzet, qui est sur la commune de Pouilly-les-Vignes et qui est limitrophe du supermarché. On pourrait rajouter également une autre zone, qui est celle de Chenomblon, extension numéro 2, pour laquelle, après redéfinition par le conseil régional du nouveau SRADET, qui pourrait potentiellement intégrer ce schéma. Parallèlement, il y a des projets qui sont en cours de commercialisation et pour lesquels on vous propose des évolutions. Chemaudin vaut 7,8 hectares, pour lequel il y a une question par rapport au déboisement. Donc, c'est une zone qui était déjà actée dans les schémas et qui a été reboisée. Et donc, la question du déboisement se pose. Donc, il faut qu'on étudie ça. La zone dont vous me parlez souvent, qui est celle de la zone des Auxons, pour lequel on demande un changement de programmation pour se positionner désormais sur l'industrie et de l'artisanat. Il y a une décision politique aussi sur la technopole Thémis. Au-delà du chemin de crête, il reste une zone qu'on doit arbitrer là aussi entre économie et logement. Et puis, il reste une zone également sur la commune de Chalzol, sur la ZAC des Marnières. Parallèlement, il y a à peu près 16 hectares à l'heure actuelle d'opérations privées qui peuvent répondre à des besoins ponctuels. Et puis, je dirais un mot, quand même, alors je ne le vois pas pour le maire de Mamirol, c'est vrai qu'il me l'a attiré mon attention sur la zone du Noré 2, 7,3 hectares. Ah ben voilà, donc je dis ce que j'avais à dire, voilà. Je pense qu'on n'a pas suffisamment étudié cette zone-là, donc qui est dans le prolongement de la zone du Noré 1. J'ai reçu des documents donc la semaine dernière et donc je demande quand même qu'on étudie également attentivement cette zone-là. Mamirol est une situation géographique très particulière. Elle est vraiment au bord, enfin la frontière globalement de GBM, et il serait qu'il y a une pression assez importante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'industriels qui veulent aller à Mamirol. Et donc, il faut qu'on se pose la question de l'étude de cette zone du Noré numéro 2. Voilà rapidement ce que je pouvais dire. Voilà, merci.